C'est la semaine prochaine et on n'a toujours pas d'idée de projet. Oh, tu vas trouver, t'inquiète, la science c'est ton truc. Mais j'en sais rien, peut-être que c'est plus le cas. C'est même pas noté, tout le monde s'en fiche. Pas moi, on a l'occasion de battre ses fils à papa de Marie Curie. Ils remportent le prix chaque année. Ça, c'est parce qu'ils trichent. Ah, ça je le sais, tu penses bien. Leurs parents engagent des super scientifiques qui font le projet à leur place. Ça, ça sent le projet gagnant. Merci, le génie de la science. Comment tu peux rester si calme? Tiens, ça, ça va te détendre. Qu'est-ce que c'est? Un jeu hyper stressant qui te fait battre le cœur à 100 à l'heure et où tu peux te faire descendre à chaque coin de rue. Non, je peux pas. Je tiendrai jamais le choc. Mon rythme cardiaque ralenti et la sueur a disparu. Tout à coup, c'est le calme. Ah, wow. Attends, c'est quoi ce truc en fait? Quoi? Ma balle anti-stress maison? Ah, relaxant. Mais oui, c'est ça. Ouais, ma balle anti-stress, vas-y, éclate-toi. Tu vois, je crois que là on tient notre projet scientifique. Un ballon rempli de farine? T'appelles ça de la science, toi? Rien qu'en malaxant cette balle anti-stress, mon rythme cardiaque a baissé. Sérieux? Moi je comptais l'acheter sur les élèves de Marie Curie, tu vois. Je t'explique mon hypothèse. L'amygdale cérébrale, qui est la partie du cerveau où est située la métacognition. Mais parle normalement. Cette balle peut atténuer le stress. Docteur? Docteur? Notre premier défi est de trouver un design à notre balle qui favorise la réduction du stress. D'après les études scientifiques, le bleu est la couleur qui favorise le plus le calme et la sérénité. Docteur? Docteur. Pour faire votre propre balle anti-stress, remplissez un ballon de farine. L'ingrédient secret. Puis ajoutez une bille au milieu. Faites sortir l'air du ballon et faites un nœud. Il manque encore quelque chose. Oh. Docteur? Docteur? Maintenant, il nous faut un cobaye. Je confirme. Est-ce que ça va faire mal? Certainement. En vrai, ça va pas lui faire mal. J'ai dit ça pour augmenter son niveau de stress. Allez, vas-y. Malaxe-la. Et voilà. Plus il malaxe, plus son rythme cardiaque diminue. Docteur? Docteur? Moi, je dis qu'il faut augmenter le niveau de stress. Cette photo serait top pour notre affiche de fête de la science. T'as raison, mon petit gars. Pour un billet de 5, je te l'imprime tout de suite, si tu veux. Quoi? Attends, c'est abusé. Mon partenaire et moi, on est à un tournant scientifique majeur et toi... Oh. Un billet de 5, c'est plus que raisonnable. Tiens, d'ailleurs, en voilà un de 10. Cette année, les vainqueurs du concours de notre fête de la science sont... Victor et Angelo pour leur balle anti-stress déstressante. Ouais. Docteur. Docteur. Oh, j'aurais dû gagner. Allô, mère, je vais faire quelque chose. Ah ben bravo, il peut être fier, le génie de la science. Vous êtes viré. Ah. Aïe, tu m'as frappé avec un anneau de Saturne. Et Angelo, je peux essayer la balle anti-stress? Mais, je suis grave stressée. On a trop de devoirs. Entraînement de basket à 7h du mat. Les alligators. Ma mère. À moi. Ok, les gars, chacun son tour. On a fabriqué qu'une seule balle. Ça, c'est une journée au top. On a réussi à battre les Marie Curie. Et on a permis à tout le monde de déstresser. Approche, vieux.
Jordan, qu'est-ce que tu veux? On a besoin de déstresser après notre défaite contre vous, bande de minables. Mère va piquer une crise. Ouais. Pas de soucis, on va vous arranger ça. On va faire une balle anti-stress personnalisée à chacun d'entre vous. Pour un prix symbolique, bien sûr. Bien sûr. Oui, ton prix sera le nôtre. Allez, grouillez-vous les mecs. Allez nous fabriquer votre truc qui déstresse. Victor, on tient un truc énorme. Qui aurait pu croire qu'il y avait autant de gens stressés? Ouais, des gens prêts à payer une fortune pour un ballon de baudruche rempli de farine. Quoi? Je veux dire, on a peut-être le moyen de soulager des gens. Des gens qui ont besoin d'aide. C'est pas une question d'argent. Première étape pour devenir un gourou du déstress, recruter de la main-d'œuvre. Deuxième étape, organiser la fabrication. Plus vite, les gars, ces balles vont pas se fabriquer toutes seules. Suivez-moi. Lola, ici présente, est chargée de la vente. Ouais, on vient d'avoir deux grosses commandes. Tous les CM1 de l'école des surdoués de la science, où il n'y a que des grosses têtes, et les cinquièmes du collège des retardataires en échec scolaire. Vous avez entendu, l'équipe? Les commandes commencent à se bousculer. Remplissez-moi ces ballons. La sécurité du produit est essentielle chez Balles Antistress. Certification en cours. C'est pour ça qu'on n'engage que les meilleurs pour tester chaque balle qui sort de notre atelier. Moelle. Non, non, pas dans la bouche. Tu te rappelles ce qu'on a dit. Presser dans la main, d'accord? Victor est notre premier ingénieur. D'après mes calculs, chaque balle peut supporter 1000 compressions minimum pendant sa durée de vie. Et moi, bien évidemment, qui suis l'inventeur, fondateur et responsable de les balles anti-stress, dont le slogan est « Malax et relax ». Les balles anti-stress, Malax et relax. Étape 3, la vente. Et voilà, c'est fait. Toutes les commandes sont livrées. J'ai dépensé tout mon argent sans penser à demain. Heureux d'avoir aidé les gens. Étape 4, étendre la distribution aux adultes. T'es sérieux là? Étendre la distribution, t'en fais quoi du... Ce n'est pas une question d'argent. Mais c'est pas l'argent la question. La question, c'est ce qu'on peut acheter avec cet argent. Angelo. Et le fait que ça aide les gens, faut pas l'oublier. Vous voulez une balle anti-stress? Vous savez, pour le stress. Ça ne va pas. Les jouets pour gamins, ça ne m'intéresse pas. Balle anti-stress? Non, merci, mon grand. Je suis assez zen comme ça. Une balle anti-stress? Yo, tu te fiches de moi? Non. Qui t'a dit que j'étais stressé? Non. Du balai. Balle anti-stress? Qui veut une balle anti-stress? Balle anti-stress? Je comprends pas. Je croyais que les adultes étaient hyper stressés. Faut croire que les gens de plus de 35 ans ne sont pas intéressés par le produit. Donc, conclusion, c'est à nous de trouver une solution. Tu veux faire comment? Stresser tout le monde? Oh non! Non! Eh bien, si nous pouvions punir d'une retenue tous ceux qui ont mauvais esprit, ce serait déjà un début. Oh, mais c'est inconcevable. Plus de café, mais enfin, comment est-ce possible? La dernière fois qu'on a manqué de café dans mon pays d'origine, j'ai fait mes valises. Un élève dans la salle des professeurs. Relax, monsieur Leroux. J'ai quelque chose qui peut vous calmer. Encore mieux qu'une tasse de café. Du kombucha? Essayez ça. Mais je peux pas boire ça. Bonjour. Ah! Une élève en plus dans la salle des professeurs. Maintenant, pressez-la. Allez-y, pressez. Oh, c'est bon. Comme un bain chaud à l'eucalyptus. Les enfants, il n'y aura pas de devoir jusqu'à la fin du mois. Dessinez ce que vous voulez. Suivez la voie de votre cœur. La course de 30 km est annulée. Aujourd'hui, on s'entraîne à caresser des chiens. Eh, hey, il est pas de chez moi, ce cupcake. D'où il sort, celui-là? Oh, vous ne connaissez pas la nouvelle boutique qui a ouvert à côté? Émotionnellement, je suis pas prête à affronter la concurrence. À toi. Y a pas d'autre boutique dans la rue. Ça fait juste partie de mon plan. Je sais pas si je ferai des études, maman. Je voudrais gagner ma vie en faisant des vidéos de skate. Ça te dérange pas? Oh! Nom d'une brouette en bois! On a plus de glace au chocolat! C'est le jour des factures! Ouais, les factures déjà! Oh non, non, jamais oublié! Ça me stresse à chaque fois! Qu'est-ce qui se passe? Heidi est bien détendue! Écoutez, Oscar, on entend les chants des petits oiseaux! Tu entends ça, chérie? Pas
un klaxon. J'adore les bouchons. Qui est partant pour vendre plus de balles anti-stress? Allez, chiche! Il y a d'autres villes, d'autres endroits, le monde entier, tout l'univers! Dis donc, t'es super agité. Vendre des balles anti-stress devrait pas être si stressant. Tiens, Angelo, malaxe un coup. T'en as besoin. Oh, si ça peut vous faire plaisir à tous les deux, allons-y. Oh. Regarde autour de toi. Grâce à notre invention, on a réussi à déstresser tous nos concitoyens. Tout est absolument parfait. Vous savez quoi? Victor avait raison. À ce moment précis, tout était parfait. Jusqu'à ce que ça le soit plus. Ah! Oh, satané fougasse! Ah! Ah! Là, je sens que la demande va exploser. Non! C'est mort! N'arrête tout! On remballe! Ah!